Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui là j'ai préparé Dim Simmen, en fait pour pouvoir faire ma première pizza, et oui j'en ai jamais faite. Donc ma recette Dim Simmen est sur une de mes anciennes vidéos, vous allez la trouver sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir les ingrédients, comment les faire, mais c'est vraiment Dim Simmen très moelleux, très fondant et facile à faire. Donc là en fait j'ai mis mon poulet avec un oignon, une olive que j'ai pressé et j'ai rajouté deux gros oignons. J'ai mis les épices du curcuma, du gingembre, un peu de curry, du poivre noir, de l'ail en semoule, du persil. Donc je vais laisser mijoter tout ça, voilà, pour que mes oignons absorbent vraiment les épices. Dans une casserole à part, je mets de l'eau avec des lentilles et je mets en fait les mêmes épices, puisque c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément les lentilles, et du coup je voulais pas moi le mélanger avec ma sauce. Donc voilà, je vais laisser cuire mon poulet 10 à 15 minutes. En attendant je vais venir couper mes semaines en lamelles. Donc j'ai fait des assez grosses lamelles et je vais venir les ouvrir une par une pour que ce soit plus agréable quand on commence à manger. Vous allez voir comment j'ai réparti ça dans une assiette, voilà, pour faire joli. Voilà, donc vraiment c'est pas je trouve que c'est pas un plat qui est long, à part vraiment la préparation du simmen, la cuisson. Sinon c'est un plat qui est assez simple et vraiment c'était excellent. Donc là je vais venir dresser en fait mon poulet et ma sauce. Donc j'ai mis le poulet au centre de l'assiette, j'ai fait cuire des œufs durs pour vraiment faire une belle décoration, et comme je vous dis, avec les oignons, le simmen et le poulet, c'était vraiment très très bon. Donc je vous conseille de le faire, n'hésitez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de liker et de partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous embrasse, bye bye.